أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Très chers frères et sœurs en foi, la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, maître du jour de la rétribution. Et que sa paix et son salut soient adressés au dernier messager Mohammed alayhi wa sallam, sa famille et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Amma ba'd. Ceci dit, bienvenue à vous sur notre groupe, sur ma chaîne, qui a pour but de propager des rappels bénéfiques à tous nos frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité. Il s'agit d'une obligation religieuse, un des symboles de l'islam. En effet, ce sujet a fait et continue de faire couler les encres de nos savants, imams, anciens comme contemporains. Aussi, cette obligation a été la cause d'exclusion dans certaines sociétés. Des personnes ont été privées d'éducation et elles se sont vues privées d'emploi. Vous vous demandez de quoi il s'agit? Il s'agit du voile légiféré. Il s'agit du hijab shara'i, du hijab qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux femmes musulmanes de porter. Ô toi, ma soeur, ton voile islamique, ton voile, ton hijab a un statut en islam. Ma soeur, ton hijab est légiféré et non fashion. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos: Ya ayyuha an-nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisaa'i al-mu'minin yudninna 'alayhinna min jalabibihin. Allah subhanahu wa ta'ala, sur le 9 verset, et t'informe, ô toi ma soeur, que ton hijab est une obligation. Que en appliquant cette obligation, tu te soumets à l'ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les femmes du prophète se sont soumises, comme les filles du prophète se sont soumises, et comme les femmes des croyants se sont soumises à cet ordre-là. En mettant ce hijab, ma soeur, tu te soumets à l'ordre divin. Et c'est ce qui fait de toi une muslima, c'est-à-dire une musulmane. De plus, ma soeur, ton hijab a des conditions. Si tu ne savais pas, ton hijab a des conditions. Il doit couvrir tes cheveux. Il doit couvrir tes oreilles. Il doit aussi couvrir ton cou. Ton voile doit être grand. Et les vêtements que tu dois porter, ma soeur, doivent être longs. Ces vêtements-là doivent être longs, amples, non transparents. Ils doivent laisser paraître que la paume, que tes paumes. Et ceci suivant la divergence sur le fait de couvrir le visage et de cacher les paumes et les pieds. Ceci suivant la divergence des savants sur ces parties-là. Ma soeur, surtout n'écoute pas ces individus qui te disent que le hijab, c'est mettre un foulard qui cache tes cheveux.
laisse paraître tes oreilles souvent, porter des jeans ou encore des pantalons très serrés, mettre des pulls, des chemises ou t-shirts, manches longues ou mi-longs, ou encore des habits à manches courtes et avec des avant-bras serrés. Et je pense que toi qui t'habilles ainsi dans ton foyer intérieur, tu sais que ce passe que Allah a demandé. Et je m'arrête là pour ne pas être lourd dans les exemples. Combien de sœurs sincères, je pense, qui au début, lorsqu'elles ont commencé le dîner, elles ont commencé la religion, lorsqu'elles ont accepté le voile légiféré par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, elles ont pris ce voile-là sincèrement. Elles se sont revêtues de ce voile-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala avait demandé d'elles. Mais aujourd'hui, elles l'ont troqué. Elles ont changé leur hijab shar'i, leur hijab légiféré, au profit des tendances fashion. Subhanallah. Et ces tendances-là ont vu le jour à cause des idées corrompues de certains prédicateurs en griffe et pseudo-imams. Par contre, d'autres l'ont délaissé à cause d'un souci d'intégration socio-professionnelle ou un bien quelconque de ce bas monde. Elles ont troqué la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala au profit de la satisfaction des créatures. Et par rapport à cela, le prophète Mohammed nous dit: La ta'ata al-makhluq fi ma'asiyati khaliq. Point d'obéissance à une créature dans la désobéissance du Créateur. Point de désobéissance à une créature dans la désobéissance du Créateur. Or, ce qu'elles ne savent pas, tout le bien qu'on recherche, tout le bonheur qu'on espère avoir dans ce bas monde est tout près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les biens qu'on recherche, tout le bonheur qu'on recherche ici-bas comme dans l'au-delà se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'a-t-il pas dit dans le Saint-Coran: Inna al-izzatu lillahi jami'a. Tous les biens se trouvent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas être long, pour terminer cette intervention, j'aimerais vous poser une question. Et chacun à son niveau, plutôt chacun ou chacune à son niveau, pouvoir répondre avec tous vos compromis. Avec le détournement du statut légiféré du voile, du hijab, au profit des tendances fashion, des tendances de mode, des tendances commerciales. Après tout ça, la société vous a-t-elle accepté? On ne continue pas encore de vous dénigrer dans vos services, dans les écoles, dans les quartiers, dans vos familles. Et sachez qu'Allah soit nous informe dans le Saint-Coran, dans le sens du verset,
ce qu'on doit retenir du verset. Vous ne serez accepté que lorsque vous aurez renoncé à votre religion. La société ne va vous accepter que lorsque vous allez renoncer à votre religion. Quand on dit renoncer à votre religion, ça ne veut pas dire quitter la religion tout entière. Vous allez renoncer un peu, un peu, un peu, un peu. Vous allez délaisser au fur et à mesure, au fur et à mesure. Au moment où vous allez vous rendre compte, vous n'avez plus de religion. Si ce n'est que le nom, c'est tout. Et on demande à ce moment-là de nous préserver de cette situation. Qu'Allah nous préserve de cela. Qu'Allah nous réforme et ouvre le cœur de nos soeurs à la vérité. Qu'Allah nous préserve de cela, qu'il nous réforme et ouvre les cœurs, en particulier les cœurs de nos soeurs à cette vérité, car c'est elles qui sont concernées par ce sujet, et qu'il guide ces individus, ces prédicateurs en griffe, vers l'application des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers la bonne transmission du message et de ne pas suivre les passions. Et je vous dis à d'autres occasions, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.